les forces armées recrutent. Jeunes Congolaises, jeunes Congolais. La République démocratique du Congo a besoin de vous pour sa défense. Venez nombreux répondre à cet appel patriotique pour servir la patrie sous le drapeau. Conditions d'admission, être de nationalité congolaise, être jeune fille ou jeune garçon âgé de 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être en possession de toutes ses facultés mentales, être en bonne santé et apte physiquement, avoir un casier judiciaire vierge. Pour tout renseignement, adressez-vous à la direction d'information, de sélection et d'orientation de l'état-major de la région militaire de votre ressort. Hâtez-vous. Ce samedi 26 octobre 2024, les stagiaires et cadres du 10 centre d'entraînement lieutenant général Bahouma ont bénéficié de la visite du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les honneurs militaires et la revue de troupes, le chef de l'État, en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, était annoncé par le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangouma Chita Marcel, qui lui a brièvement présenté les activités du centre d'entraînement et qui a présenté le stagiaire devant l'autorité suprême, qui s'est adressé à ceux-ci en leur assurant qu'il veille personnellement à leur bien-être et compte sur le résultat issu de cette formation. Par décès, votre devise. Votre devise. Banamboka, naleka kikaka na lombango pona zana nzela ya bozongi Kinshasa. Ya mwona ngana telema wa namo na bino pe na pesa ba hommage na ngana lieutenant general Bahouma. Oyo mwana mboka ya lokumu akufela bendele. Ya mwona ngina loba na bino pe mission na bino ezali ya kopate la ekolo. Oyebike banguna bakote libiso na kate andako. Nazali kosenga na bino botia molende na mosala o bozali koyekola. Simana yango o zonge la ba mission na bino ndenge zalaki, cho benga na monguna ndenge na yoki bolobi awa boyembi yango na nzembo. Nazwaki na mikolo elekaki rapport ya vice-premier ministre, ministre ya defense. Apesaki nga rapport na ndenge bozali kovivre. Nauti kozwa pe lisusu rapport et pas ya chef d'état-major général, na bandite situation na bino, ezali malamu. Tozali kolandela yango, toyeba, kolia na bino ezali ndenge nini, kolala na bino ezali ndenge nini, encadrement na bino pe ezali ndenge nini. Tozali kosala maso, kopa condition na bino, ezala malamu. Avant de quitter la troupe, le commandant suprême a serré une main d'encouragement aux officiers présents à la parade. Il a rendu un vibrant hommage au feu lieutenant général Bahouma qui est mort arme à la main pour la patrie. Un exemple à suivre. Pour ce faire, le président de la République s'est incliné et a déposé une gerbe de fleurs au mausolée érigé au Likon, en ce camp qui porte le nom du regretté Lucien Bahouma. Geste combien encourageant pour tout homme en uniforme. Puis un tête-à-tête entre la famille du défunt et le président de la République pendant une dizaine de minutes a eu lieu à 7h vespérale. L'avant-midi, le chef d'état-major général a demandé aux sous-officiers stagiaires de bien assimiler la matière et d'être disciplinés. Pascal! Eza naba oyo tokutana kala naba oyo mosusu tokutana bango lelo présence na bino awa ezali mosala oyo bozo sala bozo continuer na entraînement opérationnel on a remise à niveau alors lelo eza jour monene parce que mokonzi ya mboka azo ya kotala bino atala bino ndenge bozali ndenge bozo lia ndenge bozo lala soki réellement eza bongo parce que mokonzi apesaki ngai mitindu de façon que soldat nyonso ya FRDC abanda kolia trois repas ya liboso yango wana ya mibale
soldats nyonso alala na ba condition ya bien surtout ba oyo bazana ba sei esengeli mitindo ya mokonzi ya mboka ezala bongo ezala observer ketoyokani. Républicain pour la bonne gouvernance dans l'armée, Guy Kabombo Mwadianvita en visite à la base militaire de Kamina. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a atterri ce mercredi 23 octobre à l'aéroport militaire de Lumwe, à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Aussitôt atterri, le patron de la Défense nationale a visité la piste de l'aéroport militaire de Lumwe et la piste de la base 2 en état de délabrement très avancé. En visite d'inspection des infrastructures des FRDC, sous les ordres du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le VPM de la Défense nationale a échangé avec les officiers militaires de la base de Kamina et du centre d'instruction porte le même nom, se référant à la viabilité de cette base militaire qui faisait autrefois la fierté de l'armée congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est indigné face à l'état de dégradation très avancé de cette infrastructure aux capacités opérationnelles stratégiques. La visite du centre d'instruction base de Kamina a permis au numéro 1 de la Défense nationale de s'imprégner des besoins en matière de formation et d'équipement des troupes. C'est lui qui va tricher avec le pays de l'armée, destiné à un objectif bien déterminé. Il va aider la sentence, la peine, le régime qui existe. S'en est suivi la visite de la caserne des recrues, le champ de tir et la piste d'obstacles où une démonstration de champ de bataille a été présentée au patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, et sa suite. Déterminé à redynamiser les FRDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, poursuit son périple dans le Haut-Katanga. Ce dimanche 20 octobre, le patron de la Défense nationale s'est entretenu avec le commandement 2e zone de défense et la 22e région militaire. Briefing sécuritaire, le commandant AI de la 2e zone de défense, le général Étienne Bintou, a présenté l'état de lieu de la situation sécuritaire de la 2e zone de défense, ainsi que le rapport global des opérations. Évoquant les difficultés rencontrées, le commandant AI a proposé quelques recommandations et suggestions, dont la mise en place d'une structure de prise en charge pour accompagner le processus de désarmement des groupes armés, ce qui permettrait de finir la guerre sans combattre. L'exposé du commandant 22e région militaire, le général de brigade Eddy Kapend, a porté sur la présentation de la situation sécuritaire, administrative et logistique de la 22e région, l'activisme des groupes armés Bakata Katanga et à Pananapale, les opérations d'offensive Mazi, Girabora et Oussalama. Il a présenté la complexité de la 22e région du fait de sa grandeur, sa position stratégique, les intérêts économiques et par la même occasion salué l'accompagnement des gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Prenant la parole, le patron de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a argumenté chaque préoccupation soulevée, démontrant ainsi une parfaite maîtrise de la situation de la défense. Il a rassuré l'audience en ce terme. Vous pouvez compter sur notre détermination totale à améliorer les conditions de notre armée. Nous avons déjà mis en place des mécanismes de prise de conscience collective, premier critère d'une meilleure gestion. Nous nous mettrons debout comme un seul homme et présenter notre désidérata au commandant suprême, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est disposé à nous donner les moyens nécessaires de travailler. Sous un soleil de plomb, le numéro 1 de la Défense nationale a tenu à visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le camp-major Vangou, l'hôpital militaire régional de Lubumbashi, le bâtiment du combattant et le chantier du bâtiment administratif de Afridex. Le patron de la Défense nationale s'est indigné devant les conditions sanitaires précaires de prise en charge des malades. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, a promis incessamment la construction d'un hôpital viable et d'une morgue aux frais de la province. Alors, Tuliona Hôpital,
kama chef wa nyanyo autorisé tuyenge hôpital auprès de la province na morgue coulée. Révolté par la spoliation de la concession des anciens combattants, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a instruit des sanctions sévères contre les auteurs. En bon père de famille, le numéro 1 de la Défense nationale s'est entretenu avec les épouses et dépendants des militaires qui lui ont présenté leurs préoccupations et quelques projets. En présence des élus nationaux, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, et d'autres hauts officiers militaires, Maître Guy Kabombo Moyanvita, s'est exprimé en ce terme. Le président de la République, le commandant suprême, chef de l'État, m'a effectivement envoyé pour voir, entendre, écouter et recevoir en tant que membre du gouvernement, charge de militaire. Mon slogan est le militaire d'abord. Quand je me suis adressé à mes collaborateurs que j'allais dans le Haut-Katanga, vos députés que vous avez choisis dans le Haut-Katanga, m'ont dit, nous aussi, c'est vrai que nous étions en vacances parlementaires, mais nous n'avons pas vu les conditions des militaires et leur dépendance. Ils m'ont dit, nous allons vous accompagner, nous allons voir tous ensemble. Assemblée nationale, Bangonde, Badesidaga, Mongoba Pesaka, gouvernement. Pour joindre l'utile à l'agréable, Guy Kabombo Moyanvita leur a laissé une enveloppe importante pour leurs besoins primaires, à la grande satisfaction des bénéficiaires. En retour, les épouses militaires lui ont offert un bouc, symbole de détermination et d'agilité. De grand matin, la délégation conduite par le gouverneur militaire du Nord Kivu se pose à Bweremana via le lac Kivu. Sur place, le général-major Peter Chirimwa Minkuba, accompagné du directeur régional FPI, pourvoyeur financier du projet de réhabilitation du pont Ringa à Bweremana et quelques services techniques, inspecte le chantier et ses environs à la satisfaction du directeur. Nous remercions d'abord l'excellence pour cette promptitude avec laquelle il est en train de suivre les travaux. Ce n'est pas donné à tous les autres. Même au niveau du FPI, nous le félicitons. Justin Molangui est ingénieur de l'entreprise Mongabaon, exécutrice du projet. Il décrit le chantier. Ce qui est fait concrètement, c'est d'abord la réorientation des eaux sur son ACLI. Cela n'a pas été prévu par les études qui ont été exécutées préalablement. Mais nous l'avons fait d'abord pour pouvoir protéger les végétations qui sont tout autour de nous, ainsi que les ponts aussi. Et afin que nous puissions aussi travailler dans toute sécurité. Nous avons effectué nos fouilles pour ériger notre fondation. Et nous sommes prêts déjà d'ici la semaine prochaine, nous allons lancer les travaux des maçonneries. Tout en félicitant l'armée pour la sécurisation du terroir, les chefs de l'exécutif invitent au reboisement afin de protéger l'ouvrage. Vous connaissez que nous sommes en train d'exécuter le plan d'action du gouvernement, impulsé par l'idéologie du président de la République, commandant suprême, surtout de développer les villes et les territoires. Je dois féliciter les FRDC et les Oazalendo. Ici, nous sommes en train de faire le travail au front. Mais les FRDC et les Oazalendo ont pu éloigner la menace pour permettre à ce que les travaux se passent dans la quiétude. Aussi, il faut ajouter que je venais de dire au chef local d'essayer de profiter de ces travaux, les reboisements. Nous devons reboiser les collines parce que si on réhabilite les ponts, on essaie de sécuriser les digues avec les travaux de maçonnerie. Sans reboisement, ça sera un travail inutile parce que ça sera de courte durée. Voilà un peu l'appel que je fais au chef local. Sauf obstacle, ces travaux se clôturent en décembre 2024. De son retour à Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a visité 250 mètres d'asphalte posés sur l'avenue du port, un grand chantier et bijoux à Goma sous financement de la province du Nord Kivu.
La sécurisation optimale de nos frontières reste le leitmotiv de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que 840 éléments venus de Kinshasa et affectés dans le 1302e régiment infanterie s'apprêtent à être déployés le long de la rivière Ubangi, notamment dans les territoires de Libenge et Boudjala, dans la province du sud Ubangi, ainsi que dans les territoires de Businga, dans la province du nord Ubangi, tous voisins avec la République centrafricaine. À cet effet, le général-major Kisebwe Lamousseni Isaac, le commandant du secteur opérationnel nord-équateur, a tenu une causerie morale le vendredi 25 octobre dans l'enceinte du complexe Comigem, situé à la périphérie de la ville de Gemena, avec tous les éléments du 1302e régiment infanterie en attente de déploiement. Dans sa causerie, le commandant du secteur opérationnel nord-équateur a martelé sur la discipline et la vigilance qui doivent caractériser tous ces éléments déployés pour la sécurisation de cette partie de la République. Baza bande kona biso, baza ba yaya na bino, baza ba papa na bino, baza ba mama na bino. Sengi discipline na pas mozo kinda muso na ba papa na malamu, mbambu la kisinga eloko moko ya malamu. Pe de periode que vous avez fait ici, vous avez donné la discipline, vous avez donné du calme, calme wana et que ne la pas de mozo kinda. Ya ngotri ni discipline. Zambe apambola biso, apambola bino, musala malamu. Discipline à Bakunzi. Dans l'obélaki, discipline. Dans l'obélaki, motosa Bakunzi. Motivés et déterminés, les éléments de 1302e régiment infanterie commis à cette mission se disent prêts à sécuriser et à défendre les frontières jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Le plaisir est pour moi de vous retrouver encore cet après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Chronique des Forces Armées, une tranche du magazine Écho Militaire des Forces Armées de la République démocratique du Congo. Les Forces Armées de la République démocratique du Congo ont procédé au lancement d'une nouvelle série de recrutement de cette jeunesse. Elle se pose des questions. Où dois-je aller? Comment est organisé ce recrutement? Quels sont les critères exigés par les Forces Armées de la République démocratique du Congo? Et toutes ces questions seront développées au cours de cette émission avec le porte-parole de l'armée, le général-major Ekengi Bomusa Ifoni Sylvain, à qui je dis bonjour et bienvenue, mon général. Merci. Alors, mon général, d'entrée de jeu, pourquoi recruter maintenant? D'abord, le recrutement, il est légal. Chaque année, la législation qui organise le fonctionnement et l'organisation des forces armées veut que nous puissions recruter chaque année. C'est pourquoi on recrute. On recrute, oui, mais quelles sont les motivations? Puisque dernièrement, il y a plus ou moins deux ans, on a recruté plus de 40 000 hommes, peut-être qu'on peut en parler. Et aujourd'hui, sur ordre du commandant suprême, la République démocratique du Congo doit recruter 60 000. Effectivement, on ne va pas recruter les 60 000 à la fois, on va y aller progressivement. Mais les motivations sont lesquelles? D'abord, nous sommes dans un pays continent, 2 345 410 km². Et cet espace-là a des zones lacunaires. Et ces zones lacunaires ne sont pas couvertes par l'armée. Donc il faut recruter. Depuis plus de 20 ans, on n'a pas recruté selon les normes. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des recrutements où les gens s'entraînaient avec des bâtons, pieds nus. Il fallait recruter et former selon les normes. En plus de cela, notre armée est engagée aux opérations depuis très longtemps. Il n'y a pas eu de relève. Et en plus de cela, comme les unités étaient engagées, eh bien, il y a eu le niveau d'attrition très élevé. Évidemment, il y a eu des disparus, des déserteurs, des blessés, des invalides, des malades, et aussi des personnes qui n'ont plus la capacité de combattre. Et en plus de cela, vous êtes sous le chef de peloton, demain vous êtes capitaine, vous pouvez être chef de peloton, vous devez changer de fonction. Vous êtes sergent, chef de section, demain vous devenez commissaire major ou adjudant, vous ne pouvez plus occuper cette fonction-là. C'est toutes ces motivations qui font que nous puissions recruter. Et recruter pour, un, constituer, créer de nouvelles unités, et deux, pour renforcer les anciennes unités, pas leurrer complètement,
avec des éléments frais mélangés avec les anciens encore capables de combattre. Et puis on va les entraîner et remettre à flot les unités qui ont commis des cas élevés d'attrition. Tout cela fait que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les ordres au chef d'état-major pour que nous puissions lancer ce recrutement. Le recrutement a déjà commencé et ces gens, d'ailleurs, devaient voir ce qui se passe déjà au centre d'instruction Lukusa. Les gens sont déjà là-bas et regardez comment ils sont habillés et comment la caserne est achalandée par le lit, le matelas et ensuite avec les vivres et consorts. Merci, en général, vous venez de l'évoquer. Il y a 2 ans, le chef de l'État, le commandant suprême, avait procédé à l'appel à la mobilisation générale. Et nous avons vu un flux de jeunes, plus de 40 000 jeunes étaient recrutés au sein des FARDC. Alors, qui sont-ils devenus aujourd'hui, mon cher? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces jeunes, on a constitué de nouvelles brigades qui sont aujourd'hui opérationnelles. Il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont en attente d'affectation, il y en a qui sont des réserves. D'autres ont été envoyés pour compléter les unités existantes, je l'ai dit. Donc, il y en a qui ont été envoyés pour les unités spéciales, il y en a qui sont dans les unités de réaction rapide, il y en a qui sont dans le régiment et qui sont aujourd'hui opérationnels et d'autres unités continuent à s'entraîner pour en attendant leur déploiement sur le terrain. Alors cette fois-ci, mon général, qui recruter et à quels critères ou conditions? Nous avons 2 types de recrutement, puisqu'on recrute à la fois la troupe et les cadres pour des officiers, les cadres qui vont participer à la compétition nationale qu'on appelle le CONAT, participer à ce concours qui est au niveau national, puisque le recrutement est national, puisque notre armée, c'est une armée nationale et républicaine. Chaque province doit envoyer ses valeureux fils, ses valeureuses filles pour intégrer l'armée. Pour tout le monde, que ce soit pour la troupe, que ce soit pour les officiers, les conditions sont identiques. D'abord, être de nationalité congolaise, être jeune fille ou jeune garçon, âgé de 18 à 25 ans pour la troupe, et jusqu'à 35 ans maximum pour ceux qui sont des cadres universitaires qui doivent intégrer l'armée, avoir fait pour la troupe au moins 4 à 5 ans post-primaire. Quand je parle d'études post-primaires, je vois 4 à 5 ans secondaires. Les 2-6 vont participer au concours national. Être de bonne moralité, c'est-à-dire que si on ne recrute pas les clowns, les voleurs, les criminels, on recrute des bons citoyens. Être en possession de toutes ses facultés mentales et aussi être en bonne santé et avoir des conditions physiques impeccables. Quand je parle de la bonne santé, c'est qu'il ne faudrait pas que des gens qui sont malades puissent venir dans l'armée. Et surtout les maladies chroniques. La malaria, on peut la soigner facilement, mais quand vous avez l'infection à VIH ou le sida, l'hépatite B, l'hépatite C, l'épilepsie, la tuberculose, le syphilis, vous avez l'hypertension. J'ai dit tout à l'heure que les conditions physiques doivent être impeccables parce que on va l'entrée de la formation militaire. L'une de ses caractéristiques, c'est l'effort physique. Et cet effort physique peut réveiller toutes ces maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, lorsqu'elles sont réveillées par l'effort, elles peuvent entraîner la mort. Il faut aussi avoir un casier judiciaire vierge et être célibataire sans enfant. Pourquoi célibataire sans enfant? C'est l'une des conditions. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui vient servir la patrie puisse avoir une charge où il aurait des soucis, comment faire survivre sa femme et ses enfants pendant qu'il lui est en formation, puisqu'il sera en plein temps en formation. Et après la formation, il va signer un contrat, travailler pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, il doit rester célibataire et sans enfant pour consacrer sa vie à la nation. Ce n'est qu'après ces 7 ans-là qu'il pourra signer un autre contrat s'il veut rester dans l'armée. Et puis, à ce moment-là, il pourra se marier et avoir des enfants. Pour
pour les officiers, on les recrute sous titre, sous demande de chaque force et de chaque corps. Et pour la force aérienne, par exemple, la force aérienne doit former des pilotes. Il va puiser ses candidats pilotes dans les officiers qui viennent de l'académie, mais aussi parmi les civils qui ont fait, par exemple, l'aviation civile. Ils peuvent postuler qui sont des licenciés en mathématiques, les techniques d'aviation, les contrôles du trafic aérien, la télédétection, la météorologie, l'hôtellerie de l'air. Il y a certaines dames qui m'ont appelé, qui ont fait l'hôtellerie. Je les ai guiés vers les centres pour qu'ils puissent se faire enregistrer et ils vont passer les concours au profit de la force aérienne. Pour la force navale, ils ont besoin des mécaniciens, des électromécaniciens, des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs électromécaniques, des électroniciens, des ingénieurs électriciens. Et pour les météorologues, bien sûr, puisqu'ils font le même travail. Et pour le corps de santé militaire, c'est toutes les spécialités de la santé.